aimez les cahiers d'activités, spécialement avant de partir en vacances, des cahiers d'activités pas comme les autres, et bien j'en ai niché un, pardon, plutôt rigolo, ça s'appelle mon cahier d'activités tout fou, c'est aux éditions Tourbillon, et je vous propose de le découvrir tout de suite. Ah, petite info, c'est pour les enfants, on va dire, à partir de 6 ans, hein, parce qu'avant ça me semble un petit peu compliqué, bien que, même avant, les enfants aiment bien dessiner. Alors, pour vous donner un petit peu l'esprit du livre, parce qu'on ne va pas le regarder en entier, voilà, qui a rétréci mon slip? Ça, c'est un truc qui fait hurler de rire mon fils. Donc, dessine un slip ou un caleçon à la bonne taille. Ensuite, agrandis le dessin des caleçons et des slips de la page d'à côté. Vous voyez, donc, c'est plutôt un esprit très, 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 très marrant. Les illustrations sont aussi assez rigolotes. Par exemple, de l'aide, s'il te plaît, dessine des bras pour tenir les plateaux. Donc voilà, il faut dessiner des bras pour tenir tous les plateaux. Alors évidemment, l'éternel caca, hein, le caca d'oiseau s'attache, donc il faut transformer les tâches. Voilà. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu décalées, qui sont vraiment dans l'esprit des enfants de 6-7 ans qui adorent les blagues un peu potaches. Défends-moi, il y a urgence, mets-toi au défi de dessiner les pointes des flèches en moins de 60 secondes. Psst, il y en a 4999. C'est vraiment un cahier de dessin assez, assez rigolo. En plus, un peu, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment dans la vie, c'est ce qu'on appelle le ludo-éducatif. C'est-à-dire qu'on rigole, mais en même temps, on apprend. Donc voilà, un trou, bouche le trou en écrivant l'alphabet. Ça déchire, termine le massacre en dessinant dans le trou une trentaine de petits morceaux de papier déchiré. Voilà, portrait haché, complète le portrait, normal ou presque. Voilà, on voit que le dessin est assez marrant. À quoi ressemble ta colère? Petit coup de colère, colère en dents de scie, colère en boule. Ton coin pour exprimer ta colère. C'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants font je peux vous en parler, moi, des grosses colères. Donc, ça leur permet un peu de libérer ça avec un stylo. Voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai envie de vous en montrer plus, forcément. Dessin poilant, mets du poil au menton à qui tu veux. Donc, bouc, moustache, barbe. Voilà, donc il faut le dessiner sur les personnages. Je sais pas si vous êtes sensible à l'illustration. Moi, je trouve que c'est une illustration qui est très, 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 très sympa. Voilà, je m'arrête là parce que dans ce genre de cas, je peux rester des heures et je sais que c'est pénible pour tout le monde. J'espère que ça vous a donné envie, tout simplement, de vous le procurer parce que je trouve que c'est très, très, très sympa, très ludique, très ludo-éducatif. Mon cahier d'activité tout fou aux éditions Tourbillon, j'adhère et je le dis.